Welcome to the spectacular Château de Pernon, an 18th century jewel in the heart of the French countryside. When we found her in 2020, she lay in peril. Share our journey as we battle to save her, uncovering her secrets, sharing her past, and working hard to secure her future. One of the very first things you notice when you approach Château de Pernon from any direction is her remarkable roof. It truly is one of the most extraordinary features of this beautiful chateau. But it's 2.5 centuries since the chateau was first constructed, and over time the roof has become terribly deteriorated. Today the work to restore the roof and protect the chateau is incredibly urgent and very, very complex. Nearly 50,000 slate tiles will be replaced, 28 stone dormers or lucernes will be restored, 10 huge chimneys and their chimney pots will be restored, hundreds of pieces of oak in the wooden charpente or the wooden frame of the chateau roof will be either repaired or restored. And this is all part of a much larger global project to restore the chateau roof and facades. And what that also includes is all the facade stones, the render, the statues, the shutters, all the windows on the second floor. So this really is a huge, immense project, relying on a diverse range of highly skilled artisans using traditional techniques. And today, we invite you to join us as we share with you the rebirth of the roof of Château de Pernon. C'est un moment un petit peu historique dans la vie de cette maison. C'est le plus beau château 18e de la Vienne. Alors celui-là, il est quand même très exceptionnel. Cette maison, finalement, elle s'est endormie. Elle est restée intacte. Aujourd'hui, elle a besoin de beaucoup d'affection. Mais la contrepartie, si vous voulez, c'est qu'elle est extraordinairement intacte. Elle est complètement authentique. Et ça, c'est merveilleux, puisque vous avez ici tout ce que vous avez sous les yeux, pratiquement, à part quelques éléments du 19e siècle, c'est entièrement du 18e. Et quand je vous dis entièrement du 18e, les menuiseries sont du 18e, les persiennes que vous avez ici sont du 18e, bien entendu, les pierres des façades sont du 18e siècle. Donc il y a tout, les charpentes. Je ne sais pas s'il y a encore des ardoises de la couverture qui sont du 18e, mais ça se pourrait. Ici, en fait, à la fin du 18e, on a repris le système des charpentes à la filière de l'orme, et tout le château, ainsi que la majeure partie des communs, est entièrement en charpente à la Philibert de l'Orme. Je crois que Pernon est pour moi le plus grand ensemble, après des forteresses de Vauban, à Mont-Dauphin en particulier, le plus grand ensemble en charpente à la Philibert de l'Orme encore intacte. On est vraiment très très heureux d'être sur l'échafaudage, là, parce qu'on se dit qu'il est vraiment temps de commencer les travaux. C'est catastrophique, hein. La toiture est effrayante, vu de près, mais en même temps, ce qui est formidable, c'est qu'on a toute l'histoire du château, de l'entretien. On pense qu'il y a peut-être même encore des ardoises, comme ici, qui sont peut-être d'origine. Donc, une fois de plus, les plombs, par exemple, qui sont là, sont certainement les plombs anciens.
Et puis on est en train de regarder des graffitis. On vient de trouver un graffiti de 1796. Donc il y a vraiment une histoire qui se raconte ici qui est fantastique et qu'on va essayer de remettre en valeur. Et puis on va surtout essayer qu'il ne pleuve plus dans le château. Ça, c'est vraiment important. Donc nous sommes aujourd'hui donc sur la carrière de Marigny Brisey. Nous avons réalisé les diagnostics sur le château, notamment donc tout ce qui était relevé des pierres pour définir quel type de pierre nous allions changer. Est-ce qu'on changeait les pierres entièrement? Est-ce qu'on les greffait? Et quelle pierre mettre au mieux pour restituer la couleur, la texture qui est propre au château de Purnon? Pour le château de Purnon, ce que je cherche, c'est exactement cette qualité-là. Voilà, ce bloc-là, il est parfait pour le château. Donc, il y a des blocs avec des veines un petit peu plus jaunes, comme ici, vous voyez. On est un peu plus jaune. Voilà. Là, pour le château, je vais utiliser surtout cette moitié-là. Celui-ci, on a du veinage. Au château, on en a un petit peu. Mais ce qu'on recherche, c'est quelque chose d'un peu plus homogène, voire d'un peu bigarré. Ici, par exemple, j'ai une partie un peu blanche, qu'on voit ici. Et là, on a un fond qui est tout beige. Et on a une démarcation. Et ça, on en a beaucoup sur le château de Purnon. Donc c'est cette qualité-là que je cherche. Après, c'est une pierre très très crieuse, donc c'est une pierre qui est très ancienne, qui se taille très très facilement. Hein. Et le tuffeau, c'est une matière qui est très sensible par rapport aux autres pierres, parce que ça n'aime pas être trop chaud, ni trop froid. Donc on a des blocs chez nous, on laisse sécher pendant 3-4 mois, des fois 6 mois, pour être sûr qu'ils soient bons. Donc le tuffeau, c'est la pierre locale, oui. Ici, et c'est la pierre tuffeau qui a servi à construire tous les châteaux de la Loire. Oui. Donc ici, à la carrière de Marisey, nous sommes venus choisir des blocs. Le carrier m'a présenté des blocs, on en a refusé certains d'ailleurs. Et par contre, il y a de la très très belle matière qui va pouvoir aller sur le château de Purnon. La particularité du château de Purnon, c'est qu'on est sur des couleurs, des tuffeaux à fond beige, parfois veiné jaune. Et c'est pas simple de trouver la couleur qui convient directement. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé parfaitement ce qu'il fallait. Donc nous sommes dans le bureau de l'appareilleur. L'appareilleur est chez nous la personne qui s'occupe de relever les pierres, de les dessiner et de fabriquer tous les gabarits avec ce matériau pour les tailleurs de pierre. Donc c'est lui qui dessine et qui organise le travail des tailleurs de pierre dans l'atelier. Alors nous voici au grand jour du grutage des pierres de corniche. Les corniches ont été préparées, comme vous pouvez le voir, sanglées. Nous avons fait des trous pour nous permettre de les lever, mais aussi pour nous permettre ensuite de les couler avec de la chaux. La grue est arrivée ce matin. La particularité et la difficulté qu'on va rencontrer et qu'on rencontre, c'est la fragilité des murs de douves. Donc il faut se mettre assez loin et donc avoir une grue assez conséquente pour pouvoir gruter ces pierres qui font chacune 750 à 800 kg. Pour ce faire, nous avons opté pour une grue de 60 mètres. Nous avons bien travaillé. Nous espérons que tout se passe bien. Nous croisons les doigts, mais nous sommes plutôt confiants.
Donc ça y est, nous avons enfin terminé la pose de toutes les corniches d'angle. Donc il nous reste maintenant à les régler, à les couliner à la chaux. Et la charpente aura enfin une assise solide sur laquelle se poser. Et ça, c'est formidable. Alors au XVIIIe siècle, ils ont dû, parce que c'est des pièces qui sont conséquentes, 800 kg au XVIIIe siècle, oui, il fallait être ingénieux, soit par l'emploi de poulies et de jeux de cordes impressionnants, certainement des jeux de cage à écureuil ou des choses similaires, pour réussir à monter des pièces de cette taille jusqu'à une telle hauteur, parce que nous sommes quand même à 11,50 m au niveau de cette corniche. Bonjour, je suis Fulbert Dubois, restaurateur de sculptures. Je suis ici pour restaurer un buste sculpté en tuffeau sur la façade du château. Donc là, nous avons déjà procédé au traitement biocide et au traitement de consolidation. C'est pourquoi le buste est couvert pour éviter que la pluie n'altère le traitement. Et on va maintenant découvrir le buste pour pouvoir procéder à la suite des opérations. Donc, comme vous pouvez le voir, le buste a subi des dégradations en raison des sels solubles et de l'humidité. Donc vous pouvez voir ici différentes zones altérées par les sels solubles et les intempéries. Donc ces zones, ce sont celles qui ont été consolidées. Et maintenant, nous allons pouvoir continuer la restauration en nettoyant le buste à la vapeur pour éliminer les restes de biofilm qu'on a sur les surfaces. Et ensuite, on va pouvoir ragréer les zones abîmées de manière à éviter qu'elle ne s'abîme plus et à retrouver les volumes. Pour terminer, les zones qui restent tachées et les zones qui ont été ragréées seront patinées avec un mélange de chaux et de pigments. Bonjour, François Leroux, conducteur de travaux chez MDB, les métiers du bois, entreprise spécialisée dans la restauration du patrimoine et des monuments historiques en charpente-menuiserie. Nous œuvrons maintenant depuis 6 mois sur la charpente à la filibère de l'orme du château de Purnon. Une charpente à la filibère de l'orme est une charpente bien spécifique puisqu'elle est constituée uniquement de cerces en bois clouées avec des lisses horizontales et des clés. Une telle restauration est plutôt complexe puisque chaque pièce de bois est liaisonnée ensemble. Nous avons donc étudié le sujet dans nos ateliers pour proposer différents protocoles de restauration à l'architecte. La majeure partie de nos interventions se situe sur les pieds de charpente ou qui étaient englobés dans des maçonneries humides, ce qui les a fortement dégradés. Nous intervenons aussi également sur la restauration des lucarnes en bois et sur le fourrage de la charpente pour réaliser un nouveau support plan pour les nouvelles ardoises. Et une autre particularité du château de Purnon est d'avoir une charpente à la filibère de l'orme en forme de dôme avec une partie droite donc sur le dessus, ce qui a créé des forts mouvements de charpente dus aux charges de couverture. Nous avons donc également renforcé cette partie droite de charpente à l'intérieur par des pannes pour éviter tout mouvement dans les années à venir.
Bonjour, je me présente, monsieur Poupard, gérant de la SARLF Puy Couverture. Nous sommes en intervention sur le magnifique château de Purnon. Voilà. Donc les tailleurs de pierre ont posé les corniches. Les charpentiers ont refait les coyalures qui étaient endommagées et tout, ce qui nous permet maintenant de démarrer vraiment la couverture. Première opération, on a procédé à la pose d'un isolant qui isole les tâches du grenier. Et ensuite, on pose une sous-toiture. Voilà, donc le voligeage est réalisé. Donc maintenant, on attaque vraiment la couverture ardoise, ce qui est le but final de l'opération. Donc c'est une toiture concave et convexe, donc qui nécessite l'emploi de plusieurs ardoises, notamment les ardoises Coffin. On a procédé aussi en premier lieu à la pose de la zingrie, enfin de la cuivrerie, avec, comme l'a demandé l'architecte, une grille de ventilation basse. Et là maintenant, donc on est en pleine pose de l'ardoise. Donc qui se fait, je vais vous montrer les outils. J'ai pas mon marteau, t'as ton marteau de couvreur, Kevin? Je vous fais une démonstration de taille. Ah oui, ça sera pas fait. Alors il faut savoir que sur le château de Purnon, nous allons poser 44 000 ardoises, 88 000 clous cuivres, voilà, pour voir l'ampleur du chantier. Donc la pose se fait comme les ancêtres, hein, au marteau de couvreur, enclume. La technique n'a pas changé. Au XVIIe siècle, ils posaient les ardoises comme nous on le fait aujourd'hui. Donc je vais vous faire voir le geste qu'on m'a répété tout le long du chantier, indéfiniment. On épaule, ce qu'on appelle ça, c'est un épaulement. Après, vous voyez le marteau de couvreur, taille, perce et pointe. C'est l'outil du couvreur. Voilà, là, je viens d'effectuer le percement sur l'ardoise. Et maintenant, on va la clouer. Et pourquoi il faut faire les... Parce que souvent, on n'est pas obligé d'épauler. Mais nous, on préfère, parce que souvent, les angles, vous voyez là, elles ne portent pas bien sur le support. Vous voyez? Alors même ce qu'on fait des fois, pour vraiment bien plaquer, ça après, c'est le coup de main de l'ardoisier au clou. Vous voyez? Voilà, vous voyez que le chef de tête, ce qu'on appelle un chef de tête, repose bien sur le support. Voilà. Et donc après, on procède au clouage. Je vais prendre deux clous. Le tracé préalable, ça représente nos pureaux, nos rangs d'ardoise. Donc après, voilà, une fois que le chef de tête est aligné, on cloue. Clou cuivre, bien sûr, de 40 mm, ce qui assure une pérennité à l'ouvrage d'une centaine d'années, quoi. Vu qu'on met un modèle d'ardoise très épais, voilà. Voilà, elle est fixée pour une centaine d'années. Donc, c'est tout. On va faire cette opération sur tout le château. Voilà. Et ça va prendre combien de temps? Pour cette partie, on a bien deux mois et demi de travaux. Qu'est-ce que c'était le procès pour choisir l'ardoise? Ben, on avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, une présentation, tout début des travaux, qu'il avait validé. Et donc, la texture, l'épaisseur lui plaisait, donc il a validé ce modèle. Sachant que, de toute façon, maintenant, on n'a plus d'ardoise d'Angers très lasée, c'est bien dommageable, mais on n'a que des ardoises qui proviennent d'Espagne. Il y a différentes carrières, différentes couleurs, mais après, ça, c'est l'architecte qui décide.